Et salut tout le monde, c'est Pixel2004, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu The Legend of Zelda Twilight Princess pour la chaîne Gamer Time. Et ouais, c'est cool. Alors, moi je reprends, donc je vois que... ça va, ça vous plaît assez la série quand même. Vous avez bien aimé l'intro dans l'épisode 1. avec la voix de Google Traduction. Donc j'ai acheté un nouveau casque, donc ma voix est légèrement différente. Enfin, je l'ai pas acheté, c'était pour mon anniversaire. Donc voilà. Donc c'est un G4M0, Gamer 0 de Sennheiser. Ça s'écrit avec un 4 en fait, mais c'est Game quoi. Voilà. Ouais. Et voilà, j'ai une carte son aussi, donc ça va un petit peu améliorer la qualité sonore. Et cette fois, il y aura moins de lag aussi, donc il y aura une meilleure qualité visuelle. Voilà, c'est à peu près tout. Donc les rendus étaient... Enfin... Les retours sur les vidéos étaient plutôt bien. Donc là, je vais essayer d'en tourner 2-3 suites, parce qu'après, il faudrait que je fasse autre chose. Allez, on va tout de suite parler à... C'était les salades d'info. Avant de parler à lui, on va aller à Hyrule bientôt. Et je vais à peine de commencer, je vais déjà faire une pause parce qu'on m'appelle. Donc Ellipse. Donc voilà, donc je disais, voilà, donc la dernière fois on s'était laissé, on va partir à Hyrule dans cet épisode là, normalement. Attendez, j'ai un fil emmêlé là, ouais c'est bon. Ouais, et qu'est-ce que je disais, ouais donc cet épisode là est tourné, voilà, après les deux précédents, donc j'ai eu les retours sur les commentaires comme je vous ai dit. Et voilà. Et voilà. Donc quoi, tu veux encore travailler? Si tu veux rentrer les chèvres, viens me parler quand tu seras sur Epona. Ok, donc on va chercher Epona. Pas la peine d'aller chercher. Ah, attendez, 2 secondes. Voilà, thanks. Voilà Epona qui débarque. Hop là, reste là. On commence. Alors, on va devoir rentrer les chèvres encore, j'imagine. Alors, allez bouge. Oui, après aussi un truc de ce Zelda là. Je sais, c'est qu'on peut se transformer en loup, donc ça, on n'a pas eu encore l'occasion de pouvoir tester ça. Donc on verra. Au moins venu. Je ne sais pas quand est-ce qu'on pourra le faire. Et je sais pas si c'est bien ou si c'est juste. Perturbant, j'en sais rien. On verra, je vous dirai ce que j'en pense. En attendant, on rentre les chèvres. Allez les chèvres. Je vais faire des bruits avec mon bouche. Allez les rentrer, ok d'accord. Allez rentre toi aussi. Ok, il en reste 2. Allez. La chèvre, tu rentres. On va rentrer elle aussi. Et la dernière. Mais donc on n'est pas très bon à ça. Allez rentre. Yeah. Thanks you. Ah oui, aussi je sais ce qu'on m'a dit, on m'a dit qu'il y avait un bug. Ouais, je suis obligé de parler quand il y a du texte, hein. Je suis pas très doué. On m'a dit qu'il y avait un bug au niveau des. Enfin, qu'il manquait des musiques dans cette version du jeu. Donc, s'il y a des musiques genre qui sont pas mal et tout, j'essaierai de les rajouter au montage. Mais après, je vous promets rien parce que voilà, après je peux en sauter et tout. Donc, on verra ça. On verra ça. T'es vraiment doué. T'as même été plus vite que d'habitude. 1 minute 32 en moins. Ah bon? Toi qui dit. Bon, eh bien, la journée est finie, va vite voir le chef du village, d'accord? La musique est un peu chiante là-bas. Je sais pas si c'est la même ici. Tout à l'heure, je l'avais fort dans les oreilles pendant que je faisais des tests et tout. Oula. Donc, on revient au village. Mm-hmm.
Ah oui, aussi, je ferai une démonstration après. Juste écouter le bruit que je fais quand ça mute. Juste si vous entendez ce bruit, c'est que je me mute. Donc c'est un super bruit, hein, vous voyez. Bien, bien, c'est très bien. Nous venons tout juste de réparer le cadeau. De pré... Ah, de préparer le cadeau. Tu devrais faire tes pro... Ah! Tu devrais faire tes propres préparatifs pour ton départ pour le château d'Hyrule. Après tout, tu dois délivrer ce présent à la famille royale d'Hyrule. Ce serait vraiment inconvenant si le représentant de Toa arrivait en retard pour une telle occasion. Tu me suis? La route sera longue. Je sais que nous pouvons compter sur toi. Vieille bien sur Link. Ah, super. Okay. Qu'est-ce qui s'est passé? S'est blessé. Link, tu as encore fait l'imbécile avec Epona? Non, pas du tout. Ah merde, j'ai plus le temps de lire. Bon, vous lisez, parce que ça passe tout seul. Tu es trop indulgente, encore une fois. Tu es le chef du village, ne l'oublie pas. Tu dois faire preuve d'autorité. Sérieusement. T'inquiète pas, Epona. Je t'amène tout de suite à la source de la forêt. Avec la source de l'esprit, ta blessure ne sera très vite plus qu'un vilain souvenir. Eh mais attends, Iria. Comment veux-tu qui... Aïe, porter le cadeau à Hyrule sans Epona. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je sais pas ce qu'on va faire. On va bien chercher. C'est pas la même musique ici, elle est mieux déjà. Enfin, je suis pas sûr. Donc on part pour la source, source machin truc. Ah, Link, tu vas voir Ira. Tu voudrais venir? Ah, je voudrais venir moi aussi, mais il ne me laisse pas passer. Dis Link, on peut y aller ensemble. D'accord, suis-moi, petit con. Je sais même qui c'est. C'est pas mon frère d'ailleurs. Juste comme ça. On t'attendait, Link. C'était super hier, hein? Même qu'on a attrapé le singe. Je te jure, Baldur, t'aurais dû voir ça. C'était trop fort. J'espérais qu'en fait, c'est le singe qui t'a attrapé. Qui t'a pris d'appeler ton père au secours. Du coup, nos parents savent ce qu'on a fait. Notre père nous a sacré. Ah, notre père nous a passé un sacré savon, je dirais que c'était la fin. Je suppose que tu veux aller voir Iria. Eh bien, je ne te laisserai pas passer. Eh dis Link, prête-moi ton épée en bois. Si tu me l'avais donné hier, j'aurais pu attraper ce singe tout seul. Allez, c'est pas grave, non? Prête-moi l'épée en bois. Bah j'imagine qu'il faut lui donner. Ouais, génial. C'est ça. Il va voir ce qu'il va voir. Je pense que si j'aurais mis non, ça aurait été la même chose. Link. Merci beaucoup. Ces deux-là, ils n'arrêtent pas de m'embêter. Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle à s'agiter. À agiter ce truc dans tous les sens. Moi, en tout cas, j'aime pas ça, et puis c'est dangereux. Mais à part pour ça, moi, quand je serai grand, je veux être comme toi, Link. Il faudrait que tu m'apprennes à monter à cheval. Tu veux bien? Voilà. Donc on continue notre chemin. On va aller chercher Epona. Et oui, c'est très cool. Moi qui me plaignais de pas avoir d'épée, on a à nouveau plus. J'appelle ça du troll ce jeu. Link. Si tu crois que je vais te laisser reprendre Epona, tu te trompes. Réfléchis à ce que tu as fait. Et tant que je ne sors pas excusé, je n'ouvrirai pas cette porte. Iria ne sait pas encore ce qui s'est passé hier. Je ne sais pas si je réussirai à la convaincre, mais laisse-moi faire. Pour l'instant, passe par le tunnel pour nous rejoindre. Le tunnel que j'ai pris au tout début, que j'avais découvert. Le tunnel secret. Vu qu'en fait, on pouvait passer par la porte principale.
Ce n'est pas grave. Je suis quand même passé dans un tunnel comme ça alors qu'on veut passer par la porte d'entrée. Hein. Je suis quand même fort. Je ne savais pas. Mais Colin. Ouais. Trois petits points à la fin. Epona, tu t'es blessé à cause de lui, mais c'est quand même lui que tu préfères. Et ouais, fuck you. Tu t'inquiètes pas pour elle, Link. Heureusement, la blessure n'a pas l'air sérieuse. Vous pourrez partir ensemble. Mais, Link. Je voudrais que tu me fasses une promesse. Quoi qu'il arrive pendant ton voyage, reste prudent et fais attention à toi, d'accord? Reviens sain et sauf. Non, jamais. Je vais mourir. J'ai envie de mourir. Je vais me suicider. What is it? It is un. Un truc. Je sais plus comment s'appelle ce machin. Ou je ne sais pas tout quoi. Ouais, un gros machin. T'as des trolls. Troll face. Oula, pixelisation de l'infini. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends rien. What is it? Bon, on aura la réponse plus tard. Je connais pas du tout le jeu, hein, je l'ai déjà dit. Alors, on a la Triforce qui brille. Non, c'est pas dans le monde du, dans le fameux monde du crépuscule. Il parle toujours. Le jeu s'appelle pas Twilight Princess pour rien. Ah, bah on est devenu un loup, d'accord. Fuck the logic, ce n'est pas grave. Moi j'aime bien les loups. Un loup avec une triforce sur la patte, c'est encore mieux. On se fait amener par l'espèce de gros truc. Je sais pas du tout à combien de temps on est, je vais peut-être faire une pause. On va sauvegarder. Si pour de vrai j'ai pas vraiment besoin de sauvegarder, bon, c'est pas grave. Ah, on est enchaîné. T'as déjà vu ça, toi? Un loup qui se fait enchaîner. Eh ben non. It's the first. Ouais, je vais juste faire une pause, voir combien de temps on en est et mettre un timer pour la suite. Donc, à tout à l'heure. Donc, la cinématique s'est lancée, donc on enchaîne. Il y a une cinématique qui s'est lancée. Juste.
Attendez, re-ellipse du coup, je suis désolé. Bon, on reprend. Du coup, vous avez raté de la cinématique, bravo Pierre, je vous casserai. La vraie cinématique, et je vous laisserai le son, j'en sais rien. On se débrouillera. Donc là, on se retrouve face à cet individu inconnu. Oui, et comme je suis un minimum d'informations, quand même, je sais qu'elle s'appelle Midona. Oh, j'ai peur. Tu es sûr que tu vas me faire une tête pareille? Ah là là, tant pis. Quand je pense que je venais t'aider. Voilà, c'est mieux. L'obéissance est une qualité très importante, petit homme. Ah, mais j'avais oublié, tu n'es plus un humain, n'est-ce pas? Salope. Tout doux, gentil chien. Non, ne bouge pas. Surpris. Alors, je parie que tu te demandes où nous sommes, non? Si tu me rejoins, je te dirai. C'est quoi cette salope? Restons polis. Ok, je ne peux pas avancer. Ça va, maniabilité et tout, ça va. Ok, alors comment on fait pour la rejoindre? Alors on peut creuser avec la touche Y. Attaquer avec la touche B. Ah voilà, et là il va falloir creuser ici. Voilà. On dirait que tu es moins stupide que tu en as l'air. Ah, juste un dé, je regarde. Un truc, c'est bon. Tu me plais, je vais t'aider à sortir d'ici. Mais en échange, tu suivras mes instructions à la lettre. Si tu as besoin de moi, appuie sur Z pour me faire un signe. Alors, elle, c'est celle qui va nous casser les couilles en gros. Un peu comme Navy dans Ocarina of Time pour ceux qui connaissent. Et là, bon, rien. Bien, tu as compris. Alors, en avant toute. J'essaierai de vous caser un Hey, listen. Carrément, tu dois la porter sur ton dos et tout. Elle se fait pas invisible. Ok, ça va, c'est. On comprend vite comment ça marche. On a les cartes en bas gauche de l'écran. What is it? Oh, tiens, tiens. Je vais te montrer quelque chose de très fine. Puisque tu es un loup, tu devrais être suffisamment sensible à fine. Affine tes sens avec X et sois attentif. Ah, j'espère hein, que je suis assez loin pour être en sécurité. Non, n'approche pas, laisse-moi tranquille. C'était l'âme d'un soldat. Peut-être qu'il vient de l'autre monde. Il y a encore plein d'âmes dans le coin. Avec qui c'était censé exister avec X? Et ben alors peut-être que ces soldats savent quelque chose. Voilà. Ça prend dans cette putain de haut. C'est du rubis, ça? Ok. On peut pas sauter de la vache, genre. Ouais, c'est ça.
On doit pouvoir monter là-bas. Pas besoin de sauter, voilà. Tu vois que tu n'es pas encore habitué à ce nouveau corps. Ah, je vois, désolé. Alors, laisse-moi te donner un conseil. Souviens-toi de ce que tu faisais en tant qu'humain lorsque tu devais combattre. Instinct de survie, ça ne s'oublie pas. What is it, sérieusement? J'aime bien ouvrir des portes. J'ai putain d'ennemi. J'ai perdu des cœurs aussi. Pourquoi j'ai une espèce de bras sur ma tête, sérieusement? C'est elle qui fait ça. Là j'appuie sur Z pour voir, peut-être qu'elle va me virer. Elle va me virer mon... ces informations là qui servent à rien. C'est une espèce de barre. Ok, donc elle nous a dit que le niveau d'eau avait baissé ou je ne sais quoi. Donc il doit avoir un truc. Ah oh, putain, encore son bras là. Ça va, il saute bien haut quand même. Non, d'abord à la musique. Ah si. Est-ce qu'on sait nager? Effectivement, on sait nager. Sans ça perdre son sens. Bonjour. C'est quoi juste ce monstre noir? Twitchort. Il faut que je me tire d'ici hein, vite. La sortie? Où est la sortie? Il n'y a pas de sortie ici. Tu es condamné. Non, pas du tout. Butons ces machins. Voilà, ça fait toujours cette fée. Hop là. Il y a encore des machins noirs. Ok, c'est parti, guys. Ils sont morts. Ouais. Là, c'est bloqué. Qu'est-ce qu'elle fout? Par ici. Je n'aime pas attendre, alors dépêche-toi. Trouve un moyen de passer. C'est toute ma gueule. Oh, tu veux que je passe? Ok, donc juste comme ça, je pense qu'on est dans le monde du crépuscule. Avec des shaders qui me feraient laguer si je regardais. Avec l'autre. Avec le logiciel que je disais avant. Mais là, ça va. Par contre, qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais pas. Ah, attends, il y avait un homme, pardon. Peut-être que c'est ça la solution. On va lui reparler, j'ai pas bien compris ce qu'il m'a dit. Je pense qu'il faut tous les buter en fait. Ouais, mais s'il faudrait revenir en arrière carrément. Je pense pas quand même. Et il en reste un déjà. Est-ce que ça sent un truc du style, genre il faut tous les buter? Ouais, ça me paraît possible. Il y a un homme là-bas, on va voir ce qu'il me dit. Eh, j'en joue avec Jérôme Géraldine, tout ce que tu veux. C'est monstre noir. Qu'est-ce que ça peut être? J'ai jamais rien vu de pareil. Moi non plus. Hop là. Ah, voilà. Il fallait juste ouvrir la porte du barrage, je pense. Eh non.
Ah si. Si on réussit à baisser le niveau d'eau et qui va nous permettre de passer là-bas. On va bientôt s'arrêter d'ailleurs. Au passage, donc on va finir cette salle et on s'arrêtera juste après. Ah si, on peut passer par là. Can I go in this trou? Yes. Can I go in this trou? Des rubis, please. Thanks, ça fait plaisir. Je me trompe de touche. DS, je vous en supplie. Je suis un innocent soldat. J'implore votre miséricorde. Sauvez-moi de ces monstres noirs. Ah. Ok, fuck you. Alors, c'est des tours, c'était comment? Au fait, tu aiguises bien tes sens avec X de temps en temps. Apparemment, tous les hommes qui errent ici appartiennent à des soldats. Où est-ce qu'on peut bien être? Attends. Où est-ce qu'on peut bien se trouver en ce moment? Tu m'invites à sortir d'ici? Alors, en avant tout. Let's go! On va essayer d'avancer encore un petit peu, après je mettrai fin à l'épisode. Parce que ça commence à faire pas mal là. Je crois qu'on est bientôt ou déjà à 30 minutes. Ah, sorry. Non, qu'est-ce que tu fabriques? Bah, je fabrique ce que je peux, tu crois quoi. Non, c'était pas comme ça qu'il faut faire. Voir ce qu'il y a marqué à l'écran. Je vais te montrer, c'était vise-moi avec L, appuie sur A. Alors. Ok. Il m'a des cœurs, please. Thanks. On a pas beaucoup de vie au début, surtout qu'avec les louches, je suis pas très habitué. Attends. Comment on est censé faire? Je suis censé marcher là-dessus. Ah oui, effectivement. Bon allez, quand on arrive en haut de cette salle, on arrête. Bon, c'est trop tentant. Ok, il y a une porte. Il y a un cœur. Tu en as mis du temps. Mais on est passé dehors. Cherche un appui sur lequel tu pourrais sauter. Pas là, non. Tu crois avoir une idée de l'endroit où on est. Peut-être tu comprendras. Est-ce qu'on ne serait pas au château tiré le par hasard? Juste comme ça. Je pense qu'on va s'arrêter là. On va sûrement avoir une cinématique. On est effectivement au château d'Hyrule. C'est bien ce que je pensais. Dans le crépuscule. Après, je sais pas s'il y en a un dans le monde normal. Ou si ça marche pas comme ça. On verra après. Je sais qu'il y a une histoire de crépuscule dans le monde normal. Je sais pas si c'est genre deux mondes parallèles ou si c'est l'un qui gagne sur l'autre. On verra ça. Enfin dehors. Regarde le ciel, les nuages noirs du crépuscule montrent aujourd'hui encore toute leur splendeur. Bon, maintenant tu sais où on est? Là quand même? Toujours pas? J'aimerais te présenter quelqu'un. Tu vas venir avec moi jusqu'à la tour là-bas. Donc, nous on va s'arrêter là par contre. Donc cette fois on se dit au revoir en tant que loup de la mort qui tue et tout. Sinon on appuie sur start, voilà, là on le voit encore mieux. Non, on va s'arrêter comme ça quand même. Donc j'espère que cet épisode sur The Legend of Zelda Twilight Princess vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un max de j'aime, des commentaires, à
abonnez-vous à la chaîne. Dites-moi si vous préférez la qualité audio, si vous aimez bien cet épisode, le commentaire, tout ce que vous voulez, vas-y, mettez plein de commentaires. Et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode de The Legend of Zelda Twilight Princess. Allez, salut tout le monde!